Amélia Belle Nursery, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme j'avais prévu, je vous avais dit que je ferais la dernière fois, je vais reprendre un tutoriel sur comment peindre les cheveux. Ça va être en deux parties. La première partie, je vais vous montrer comment le faire avec les crayons Prismacolor. Puis la deuxième partie, comment le faire avec la peinture. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous prend pour commencer à peindre les cheveux ou à dessiner les cheveux selon le goût, selon votre goût? Vous allez avoir besoin d'un bon vernis qui va vous laisser une surface un peu rugueuse que le crayon va pouvoir bien écrire dessus. Moi, ce que je recommande, c'est soit celui-là de Golden, le polymère, vernis polymère, MA, fonctionne bien. Celui que je préfère, c'est celui de Reborn FX, soit le MA ou le Ultra MA. Celui-là ici, c'est du Ultra MA. Marche très très bien. Sinon, si vous avez ce vernis-là déjà pour votre poupée, ça peut fonctionner aussi. C'est le Ultra MA de Deco Art Americana Décor. Fonctionne bien. Ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est le vernis de type Soft Touch. Là. Ça ne marche pas. C'est trop doux comme surface. Puis le crayon ne grippe pas dessus. Pourquoi on vernit avant? Justement pour donner une surface au crayon. Si vous y allez directement sur la peinture, vous risquez d'avoir de la difficulté à certains endroits. Le crayon ne voudra pas tenir. Il y a certains types de peinture comme celle-là, c'est Ultimate Fusion. Ça fonctionne relativement bien, mais sur d'autres types de peinture, je sais que c'est plus difficile. Vous pouvez uniquement vernir la tête pour faire vos cheveux, puis vernir le reste de la poupée ensuite. Là, il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, une fois qu'on va avoir terminé avec les cheveux, on va revernir partout. Donc, vous pouvez uniquement vernir la tête pour commencer. Naturellement, ça vous prend une éponge pour appliquer le vernis. L'éponge va aussi vous servir à effacer votre crayon. Si vous vous trompez, faites une erreur. Vous allez pouvoir frotter avec votre éponge. La mouiller, j'ai un petit bol avec un peu d'eau aussi. Là, vous allez pouvoir la mouiller aussi pour venir effacer plus facilement. C'est l'avantage de commencer avec les crayons. Une fois qu'on est satisfait du résultat du placement de nos cheveux, tout ça, à ce moment-là, on peut y aller avec la peinture. Parce que la peinture, on s'entend, on utilise de l'acrylique, puis ça sèche, puis il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus effacer ça après. Donc, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait, savoir plus où est-ce qu'on s'en va. Donc, avec l'acrylique, là, je suggère vraiment fortement les crayons. Ça va vous prendre aussi un bon exoir. Petit exoir cheap, là, du Dollarama, c'est peut-être pas super quand vous payez les crayons, 2, 3, 4 piastres le crayon. C'est dommage de briser nos mines tout le temps. Donc, investissez dans un bon exoir. Celui-là, je le trouve fantastique. C'est Staedtler. Il y a un côté pour le graphite, un côté pour le crayon de couleur. J'utilise indépendamment un ou l'autre. Ça me donne une belle mine très, très pointue sans briser la mine. Puis, un truc quand on aiguise nos crayons, c'est au lieu de tourner le crayon dans l'aiguisoir, on va faire l'inverse, on va tenir notre crayon, puis on va tourner l'aiguisoir autour. J'avais du crayon bleu auparavant. C'est un truc pour éviter de briser la mine. Ça va un petit peu mal avec cet aiguisoir-là, parce qu'il est quand même costaud, là. Donc, bon aiguisoir, vous allez aiguiser beaucoup, souvent, vos crayons. Ils vont venir très petits. J'en ai qui sont venus vraiment minuscules. Puis c'est correct, tant que vous êtes capable de le tenir entre vos doigts, ça fonctionne encore. Comme je vous dis, au prix qu'ils sont, on essaie de les faire durer le plus longtemps possible. Prenez soin de vos crayons, échappez-les pas. Ça brise toute la mine en dedans. Ce que j'utilise, moi, c'est Prismacolor premier. C'est le haut de gamme de Prismacolor. Ça fonctionne bien aussi avec le Prismacolor régulier. Ça fonctionne bien avec d'autres marques de crayons. S'agit de trouver laquelle. Là, ici, j'en ai un exemple. C'est un Faber-Castell. C'est du haut de gamme aussi pour artistes. Ça fonctionne assez bien, mais je préfère le Prismacolor. C'est une question de goût. J'ai essayé avec d'autres types de crayons, comme les Crayola.
Certaines couleurs, ça marque très très bien. Pour d'autres, c'est plus difficile. Ça dépend vraiment. Je vous suggère d'investir quand même avec des crayons de qualité, des crayons de qualité artiste. Pourquoi? Parce que contrairement aux crayons pour enfants, la mine est vraiment plus grasse. Il y en a qui sont, en passant, les crayons, je ne fais pas un cours sur le crayon de couleur, là, mais il y en a qui sont à base d'huile, d'autres à base de cire. Là. Les crayons de qualité artiste, ils ont une pigmentation plus intense, puis ils s'étendent mieux, sont plus crémeux, si on veut, puis ça donne un meilleur résultat. Si c'est juste pour mapper, pour faire vos traits de base, n'importe quel crayon qui va faire une marque, ça va être correct aussi. Là. Cassez-vous pas trop la tête avec ça. Demandez-moi pas où je prends mes crayons non plus. Je les prends un paquet d'endroits différents. Partout où je peux les trouver. Donc, c'est vraiment à vous de voir où vous pouvez les trouver. Des fois, sur Amazon, il y en a individuellement. Chez Michaels, les boutiques de matériel d'artistes. Macpherson en vente. Je pense Bountiful Baby en vente maintenant aussi, mais je suis pas certaine. Bref, il y en a un petit peu partout. Là, cherchez. Je sais vraiment pas où vous pouvez les trouver. Moi, je les trouve localement. Donc, je peux pas vous aider vraiment là-dessus. C'est rare, j'en commande en ligne. Donc, première étape, ça va être de vernir notre tête. Je vais vernir, puis vous revenir. Passant, j'ai refait mon setting, ma place complètement différemment cette fois-ci. J'ai la fenêtre en face de moi, j'ai une lumière dans mon dos. Je sais qu'il y a des zones d'ombre. Malheureusement, il fait soleil aujourd'hui, puis j'ai pas tellement d'autres options. J'aimerais ça avoir 3-4 lumières de photographe, là, parce que j'ai une lumière avec un parapluie métallique, là. J'aimerais ça en avoir plusieurs, mais bon, c'est pas possible, ça coûte cher, puis ça prend trop d'espace, j'ai pas l'espace pour ça, donc j'espère comme ça que vous allez mieux voir. La caméra est derrière moi, j'espère que ça va vous donner la chance de mieux voir ce que je fais. Pour les ombres, les couleurs, tout ça, ben là, je fais mon possible avec ce que j'ai. Malheureusement, j'ai pas de studio, hein, comme la majorité des gens, des artistes, là, on fait ça chez nous, dans une pièce, puis on n'a pas de studio de photographie qu'on peut tout super éclairer, etc. Là, on y va avec les moyens du bord. Donc, j'espère quand même que vous allez quand même bien voir. Pour les couleurs, ben, c'est pas tellement important, parce que ça va dépendre de la couleur de cheveux que vous allez vouloir donner au final. Donc, que vous voyez bien pas les couleurs que je vais utiliser, ça n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est de savoir comment les appliquer, comment faire notre pattern de cheveux. J'ai utilisé, je vais le fermer, là. J'ai utilisé celui-là, le vernis Golden. Je vais vous montrer en même temps, hein. Ça n'a pas rapport avec le sujet, mais je vais vous montrer à quel point c'est mou quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, ma caméra est en arrière, elle est l'absent un petit peu. Il n'y a pas tellement de reflets. Il y en a là, aux endroits où c'est pas sec-sec encore, là. Mais il n'y a pas beaucoup de reflets. Ça donne un fini quand même assez mat. C'est assez intéressant comme vernis. La texture est douce. C'est plus sableux un peu que le déco art là, ou le soft touch. Là. Au toucher, c'est un petit peu plus... Vous l'entendez? C'est un petit peu plus sableux que celui-là, là. Mais quand même, ça reste quand même assez doux au toucher. Celles qui ont déjà utilisé ou qui ont déjà vu une poupée avec le vernis de Genesis, là, c'est une bonne différence quand même, là. C'est pas aussi sableux, mais ça va vous donner une bonne surface pour travailler le crayon. Celui-là donne à peu près le même résultat. Peut-être même encore plus mat. Donc voilà, mon vernis est à peu près sec partout. Peut-être une petite zone en arrière des oreilles, c'est pas très grave. Les couleurs maintenant, quelles couleurs on a besoin? Plein de couleurs. Là, j'ai préparé ici, j'ai pas pensé, j'aurais dû toutes les amener pareil. J'ai préparé les couleurs que je vais utiliser pour des cheveux foncés, cheveux bruns foncés. Je voudrais aussi vous montrer pour les cheveux blancs. Je vais aller vous chercher ça. J'ai rajouté quelques couleurs à ça. Que je peux utiliser pour quand je fais les cheveux blonds. Ça vous semble tout similaire, hein? Parce que c'est toutes des couleurs assez similaires. Vous allez, à force d'en faire, découvrir les couleurs que vous aimez. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous d'essayer. J'ai déjà utilisé des couleurs qu'on m'avait suggérées, qu'on m'avait proposées, que j'ai pas aimé du tout. Je préfère d'autres couleurs que personne ne va utiliser, sauf moi. Là. Ça dépend vraiment de l'artiste, je pense. Puis du résultat que vous souhaitez.
mes couleurs préférées que j'utilise le plus, ça va être la preuve, là, il me reste juste un petit bout, là. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est le gris français. Je vais le mettre derrière moi, ça ne change pas grand-chose. Le gris français, c'est 90% gris français, PC1076. C'est mon crayon tout allé que je vais utiliser pour souvent pour faire du mapping, que je vais utiliser pour le blond, pour le brun. Je l'utilise pour à peu près toutes mes couleurs. On se dit, on pense pas à ça, hein, utiliser du gris pour les cheveux, et pourtant, ça fait une couleur un peu blonde, je dirais. C'est très joli comme effet. Je peux utiliser aussi d'autres types de gris. Ça va me donner plus ou moins le même résultat. Ça varie un petit peu. J'ai 70% gris chaud. Il y a 90% gris chaud. Je les ai essayés parce que je ne trouvais plus mon gris français à un moment donné. Puis j'ai essayé celle-là, la place. Ça me donne sensiblement la même chose. Un qui est plus foncé que l'autre. 10,56 puis 10,58, là, celles qui veulent les utiliser. C'est pas si pire comme couleur. Je vais utiliser pour mes cheveux foncés beaucoup le brun foncé, qui est 946. Brun foncé, parfois le chocolat, si je veux quelque chose, un brun un peu plus pâle. Espresso. Il y en a beaucoup qui vont dire, utilisez pas espresso, ça vire orange, mais ça vire orange quand on cuit. Nous, on utilise l'acrylique, donc on ne cuit pas, donc ça ne viendra pas orange. Ça fait un beau brun assez foncé. Celles qui utilisent Genesis ou le vernis Genesis et puis qui vont mettre au four, oui, cette couleur-là tourne orange. Donc, si c'est votre cas, soyez prudente avec cette couleur-là. Ça peut être parfait pour des cheveux au burn ou des cheveux roux. Mais pour les cheveux bruns, vous allez voir, ça peut tourner orange. C'est 10,99 le numéro. Naturellement du noir. Je vais m'en servir uniquement quand je vais faire des cheveux noirs ou encore que je veux accentuer certaines zones d'ombre dans mes cheveux. Vous allez voir plus loin. Les couleurs pour le blond, ben là, j'y vais juste avec des teintes de brun aussi, mais plus foncé, par exemple. Plus foncé, plus pâle. Brun ocre, terre de sienne. C'est des couleurs que vous pouvez utiliser. Parfois, je vais utiliser le sable, qui est vraiment un jaune. Brun banc de sable aussi, que j'aime beaucoup, la mine à briser, là, mais je l'aime beaucoup aussi pour le blond. Même couleur qu'on peut utiliser, pardon, pour les cheveux roux. N'allez pas utiliser du orange, là, à moins que vous vouliez vraiment avoir une tête de feu, là, quelque chose de très très orange. Là. Essayez d'éviter autant que possible les couleurs comme orange. Pure, là. Vous pouvez y aller dans les teintes de brun orangé. Ça donne souvent les meilleurs résultats. Évitez les jaunes aussi pour les cheveux blonds. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une tête de bébé qui a les cheveux blonds. Mais généralement, les cheveux sont très, très fins, presque blancs. Très, très les cheveux blonds, c'est jamais fourni. Hein. Chez un bébé naissant, les cheveux blonds, c'est toujours très fin, très épars. Puis on obtient souvent les beaux résultats juste avec le gris français, un petit peu de beige. D'ailleurs, ça, c'est mon autre couleur, je vais vous parler. Puis, on peut obtenir un très beau effet de cheveux blonds pâles. Puis, la couleur, une autre de mes couleurs que j'utilise énormément, c'est le beige. Je l'utilise pour le mapping aussi. Surtout quand je vais faire du routing, parce que ça laisse moins de traces visibles. Je vais l'utiliser pour les petits cheveux sur le côté. Je vais l'utiliser pour le petit... en français, je ne sais pas comment on appelle ça. En anglais, ils appellent ça de pose pêche fizz. Le petit cheveu de pêche là, sur les joues de bébé. Là. Je vais utiliser ce beige-là pour ça. Je vais l'utiliser aussi pour les highlights, les zones, certaines zones plus que je veux que la lumière accroche plus, si on veut. Pour éclaircir d'autres zones aussi.
Donc, je vais l'utiliser beaucoup pour ça. Là, je m'aperçois que plus le soleil se déplace, plus ma lumière diminue. J'espère que je vais être encore capable de vous montrer. On va commencer tout de suite avec le mapping. Si je n'ai pas le temps de terminer de vous montrer avant que j'aie plus d'éclairage, à ce moment-là, je ferai une troisième partie. Là. Bon, donc mon crayon, il est bien aiguisé. Il n'est pas excessivement pointu. J'aime pas travailler avec un crayon extrêmement pointu. Si vous avez déjà vu mes cheveux peints, mes cheveux dessinés, vous avez remarqué, je marche beaucoup par illusion. Je marche pas tellement, j'aime pas tellement le principe des petits cheveux faits individuellement un par un. Je marche beaucoup avec l'illusion, créer une illusion de 3D plus que chaque cheveu individuel. Je sais qu'il y en a qui obtiennent d'excellents résultats avec chaque petit poil, là. Moi, je suis pas capable, j'y arrive pas. Ça sort jamais comme je voudrais. Fait que là, chacun a sa technique. Vous allez découvrir votre technique aussi. Ce que je vous montre là, c'est ma technique, comment moi je procède. C'est une base, ça va vous donner une base. Mais essayez pas de répliquer parfaitement, parce que souvent, on a notre propre façon de bouger le crayon. On a notre propre vision aussi des cheveux qu'on veut. Notre propre style qui va se développer. Donc, essayez pas de recopier parfaitement tout ce que je fais. C'est simplement pour vous donner des trucs pour arriver à peindre quelque chose de décent. Là. Donc, la première étape, c'est le mapping. Je vais le faire, habituellement, je le fais au crayon beige. Là, je vais le faire avec mon gris parce que vous verrez absolument rien. Oups! Vous verrez absolument rien sinon. Comment on procède? On va juste déterminer les zones où on veut que nos cheveux arrêtent. Donc, on regarde notre poupée, on essaie d'avoir en tête un peu le style de cheveux qu'on voudrait lui faire. Puis, on regarde un peu les proportions. On regarde où le front, où on veut que la ligne de cheveux arrête sur le front. On regarde aussi par rapport à l'oreille, le point le plus haut de la tête. Puis, on va décider où on va faire notre départ de cheveux, notre petite spirale de cheveux, d'un côté ou de l'autre. On va le faire juste une petite affaire plus bas que le sommet de la tête. On va y aller un petit peu plus en arrière. Donc, on décide de quel côté on veut que nos cheveux partent. Maintenant, je vais essayer de zoomer. Et là, je vais perdre complètement ma lumière, je pense. Que ça va focusser parce que mon zoom est très, très près. On va juste se tracer une petite ligne, un rond, si on veut, un cercle. On va l'envoyer un côté par en haut. Puis on va repartir de la base de notre petite pointe ici. Puis on va se tracer une ligne par en bas. Donc, on va avoir les cheveux qui vont descendre en bas ici, puis les cheveux qui vont remonter par en haut. Ensuite de ça, on va partir du coin du creux de l'oreille ici. On va dézoomer un petit peu parce que vous ne verrez pas ce que je fais. On part du coin de l'oreille ici. Puis on va se tracer une petite ligne, pas trop foncée, hein, lisse pâle, là, qui va déterminer, qui va passer en avant du front ici, qui va déterminer où on veut que notre ligne de cheveux arrête. Mettons que je veux la faire ici. Je ne serai pas très précise nécessairement. Puis on se rend jusqu'à la base de l'autre oreille ici. Bon, naturellement, on a le tour de l'oreille. Là. Vous pouvez le dessiner ou pas. Ça, c'est votre goût à vous. Vous dessinez pareil. Là. En arrière non plus, c'est pas nécessaire de vous dessiner une ligne. Vous allez arrêter à la base du cou, là, où vous voulez, là, quand vous allez faire vos cheveux, là, ça sera à vous de voir. Maintenant, on a une tempe. Idéalement, on va se laisser une zone où est-ce qu'il n'y a pas de cheveux, ou très peu de cheveux, ou des cheveux très fins, qui va partir de la tempe ici, qui va faire comme un peu un triangle, si on veut. Ça, c'est vraiment personnel. C'est vous qui allez décider où vous le faites.
comment, puis jusqu'à quelle profondeur, etc. C'est pas très, très compliqué, là, le mapping, là, c'est vraiment... C'est votre vision à vous. C'est vous qui décidez où arrêter vos cheveux, comme, quel style vous voulez donner, etc. Je vais vous montrer en même temps comment on efface le crayon. Comme là, j'ai des lignes que je voudrais effacer. Je vais prendre une éponge propre, je prends le côté de mon éponge, puis je viens frotter dessus. De l'autre côté, je vais effacer cette ligne-là. Je viens frotter. C'est tout parti. Si vous n'y arrivez pas, qu'il en reste encore, mouillez le côté de votre éponge dans l'eau un petit peu, puis venez essuyer, ça va tout partir. Donc, à partir de notre petite rosette, ici en arrière, on cherchait le nom. Hein. J'ai de la misère, je bascule beaucoup entre l'anglais et le français parce que c'est un univers très, très anglophone. Puis, j'essaie d'expliquer en français, là, j'ai bien de la misère avec ça. On décide comment on veut que nos cheveux se promènent en avant. Là. On veut-tu les avoir en vagues? On veut-tu les avoir toutes qui s'en vont sur le côté? On veut-tu les avoir qui se séparent en pointe dans le milieu, qui s'en vont vers une pointe ou qui se séparent dans le milieu? Est-ce qu'on veut les avoir très courts, très longs? S'il faut décider ça avant, on peut aussi juste se laisser emporter par nos traits de crayon puis voir où ça nous mène. Si on a un petit côté artistique, là, comme on est supposé quand on fait ça, si on a un petit côté artistique, on peut se laisser carrément aller puis y aller comme on veut, selon ce qu'on a envie. Moi, j'ai bien envie d'y faire les cheveux qui se séparent dans le milieu. Donc, je vais juste me faire une petite pointe en avant. Je ne sais même pas si vous voyez, j'ai le soleil d'en face. Je ne vois absolument rien. Donc, je veux que mes cheveux se séparent comme ça. OK. Donc, je vais partir de ma rosette en arrière, puis tous mes traits vont tout partir de là. Oups, là, vous voyez pas. Mes traits vont tous partir de là pour s'en aller par en haut. OK? Vont tous partir. Vont tous suivre ça ici. C'est mon point de départ. OK? Pareil pour les cheveux d'en arrière. C'est mon point de départ. Tous mes cheveux vont suivre. Ça, c'est un mapping très de base, OK? Que je vous montre, là, parce que je sais qu'il y a plein d'autres façons de le faire. Il y a plein de variations. On peut faire deux rosettes. On peut faire carrément une ligne partir de côté. On peut descendre les cheveux plus bas. En tout cas, il y a plein de variations. Je vous présente la façon la plus classique, là. Donc, tous nos cheveux vont partir de là. C'est vous qui allez décider où vous les amenez ensuite. Donc, comme moi, je vais les envoyer de chaque côté, je vais m'arranger ici, je vais reprendre mes traits en avant, puis je vais m'arranger pour les amener en avant où je veux. Là, faites-vous-en pas avec les couleurs ou les... faire des pointes, des choses comme ça, là, ça, c'est juste votre base, c'est votre mapping, la même affaire que pour le routing, finalement. Vous allez amener les cheveux où vous voulez. À partir de là, vous décidez à partir de quand vous voulez les descendre sur le côté. Si vous voulez les envoyer par en avant, si vous voulez les envoyer par en arrière, ça, c'est vous qui allez voir là, quel style vous aimeriez avoir. Je pense que cette petite-là va les cheveux quand même assez raides, là, pas trop frisés. Dessiner les cheveux frisés, c'est autre chose, OK? Je vous le montre même pas là, pour l'instant. Ça demande un talent là, pour faire des cheveux frisés. Là. Lancez-vous pas là-dedans avant d'avoir réussi à faire au moins des cheveux droits. Là. Donc, à l'arrière, la même chose. On descend nos cheveux. On les envoie dans la direction où
on veut que ça tombe. On peut les amener toutes vers le milieu, on peut les envoyer toutes par en arrière, sur le côté comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais faire en arrière. Vous voyez, comme ça s'efface bien, hein? Si on avait fait ça direct à la peinture, là, on aurait peut-être un petit peu de misère. Je vais les faire plus court en arrière, puis je vais les envoyer sur le côté comme ça. Quand vous avez quelque chose qui vous plaît, n'oubliez pas, vous pouvez recommencer, hein, autant de fois que vous voulez. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas le style, qu'est-ce que ça donne, l'allure, vous prenez votre éponge, vous effacez, vous recommencez. bon, c'est sûr que si vous appuyez très fort sur votre crayon au départ pour le plan comme ça, vous risquez d'avoir de la difficulté à effacer. Là, il va rester des marques. Donc, allez-y très, très délicatement, très gentiment. C'est pas nécessaire d'appuyer très fort. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir un petit plan. Puis ça va tout être recouvert par la suite. Donc ça, c'est notre mapping de base, là, notre petit plan d'attaque. Ensuite de ça, vous pouvez le raffiner. Il y en a qui vont se contenter juste de remplir dans le milieu, mais idéalement, si on veut avoir quelque chose d'assez réaliste, on va essayer de le raffiner. C'est-à-dire qu'on va faire des pointes. Mon zoom est un peu trop zoom. J'essaie hein, de faire, je travaille fort là, pour faire une vidéo, ce qu'on voit, tout ce que je fais, c'est pas facile. Donc c'est ça, on va raffiner, on va faire des pointes, on va faire des plus petites mèches, puis on va commencer à rassembler les cheveux. Je continue toujours avec le même crayon, vous pouvez continuer avec le beige, si vous avez du beige, je continue toujours avec le même crayon. Là. Plus tard, quand je serai rendu encore plus dans le détail, là, je viendrai changer de couleur. Mais là, je vais venir tout simplement partir d'un petit peu partout d'une mèche, puis je vais venir faire des pointes. J'espère que vous allez voir ce que je fais quand même. Parce que là, l'éclairage a commencé à être difficile. Je viens juste me faire des couettes. Des pointes. Je les ramène en pointes. On ne commence pas nécessairement à changer de direction tout de suite, mais rien. C'est juste, c'est une première étape, c'est de rapetisser nos mèches. Les cheveux, ça se tient en mèches. À moins de faire des cheveux très fins, des petits cheveux droits fins, que là sont tous séparés. La plupart du temps, le moindrement que les cheveux sont épais un peu, ils vont se retrouver en mèches. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'amener des mèches en pointe. Donc, c'est vraiment ce que je fais. Là. Je fais pas dans le détail trop. Je fais juste m'amener des mèches. Ah, j'ai carrément changé de place. Peut-être mieux. Ah! Donc, voilà, je fais uniquement des petites mèches, je ramène mes cheveux ensemble, je rapetisse mes zones, c'est tout ce que je fais. C'est bien important de garder votre main souple quand vous faites ça, pas appuyer trop fort, puis laissez-vous guider par votre crayon, laissez-vous guider par votre vision, ce que vous avez en tête. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous pouvez effacer, puis de toute façon, vous allez recouvrir plus tard avec d'autres couches. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais des petites mèches. Si vous n'aimez pas, vous avez fait quelque chose que vous n'aimez pas, recommencez. Ça s'efface assez bien, puis on peut recommencer. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de pression. On ne se met pas de pression, on s'amuse. On essaie des nouvelles affaires. C'est mon stade préféré parce que c'est le stade où vraiment je vois qu'est-ce que je vais créer comme cheveux. On se laisse aller. Descendez pas trop bas à base du cou. Hein.
ça se peut que vous ayez un pli ici, là. Essayez de ne pas dépasser le pli parce que ça va être très difficile de faire un suivi de cheveux dans le pli. Ce kit-là, il est lisse, là, mais il y en a qui ont des gros plis en arrière, là. Vous essayez de dessiner par-dessus le pli, vous allez avoir une ligne qui coupe votre cheveu. Donc, essayez de garder ça un petit peu en haut de la ligne ou jusqu'à votre pli, là. Donc, on fait ça tout le tour. Puis, si vous avez déjà suivi d'autres tutoriels de peinture de cheveux, par exemple, Christine Woolley, il y en a un très bon. Je l'ai acheté d'ailleurs, j'ai essayé de le faire. Alors, si vous avez suivi d'autres tutoriels, vous allez voir ma technique, elle diffère un petit peu. Parce que, comme je dis, chaque artiste a développe sa propre façon. C'est très difficile de reproduire ce qu'un artiste fait. Par exemple, j'ai l'habitude, moi, de dessiner, de peindre les cheveux. Puis son tutoriel à Christine Woolley, même s'il est excellent et extrêmement bien détaillé, j'y arrive pas. Il n'y a rien à faire, ça ne me donne pas le résultat que j'aime. Pourtant, j'en vois des cheveux qui ont été peints avec son tutoriel qui sont de toute beauté. Puis moi, j'y arrive pas. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ça. Chacun développe sa propre façon, sa propre technique. Je vais juste estomper un petit peu ma ligne ici. Elle est un petit peu trop intense, là. Donc, ça, c'est les premières étapes. Ensuite de ça, on va venir jouer avec les couleurs. Je pense que mon vidéo est déjà assez long comme ça. Je vais couper ça là, puis je vais reprendre avec une autre partie où on va venir vraiment plus affiner en détail les couleurs. Ça se peut que ça vous prenne une journée ou deux juste pour arriver à faire ça. C'est possible, découragez-vous pas, c'est normal. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut être intimidant un peu. On va effacer beaucoup, on va recommencer beaucoup. Soyez pas inquiète, là, c'est normal. Puis abandonnez pas tout de suite. J'en vois souvent qui disent « Ah non, moi j'y arrive pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable. » Ils en ont fait juste une ou deux. C'est normal, là, ça prend du temps, puis de la pratique, puis de la patience. Ça s'apprend pas en faisant une tête une fois, là. Je perfectionne encore, puis il y a des fois des têtes que je décide de stripper parce que c'est vraiment pas le résultat que je voulais. Puis ça fait 4 ans que je fais ça, là, j'en ai fait au-dessus de 150 peut-être, là. Donc, c'est normal. Inquiétez-vous pas de ça. Découragez-vous pas, ça va venir. Vous allez découvrir votre style, puis vous allez y arriver. C'est pas tout le monde qui va devenir des super artistes de cheveux incroyables, là, puis que tout le monde va admirer leur style de cheveux. C'est pas tout le monde qui va arriver à ça. En fait, une minorité qui va y arriver. Par contre, vous allez arriver à faire des cheveux quand même décents qui ont l'air assez vrai pour donner le change, là, si on veut. Puis c'est ce qui est important. Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis je vais reprendre un petit peu plus tard avec plus en détail. Donc, je vous dis merci. Je voulais en profiter. D'ailleurs, j'ai oublié. Je voulais en profiter pour vous remercier. Je suis rendue à 1000 abonnés. Je me suis réveillée hier matin avec ça. 1000 abonnés, j'ai fait « Waouh! » Mes enfants sont tous super fiers, là, ils n'en reviennent pas. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie vraiment à tous de me suivre. Vous me suivez depuis mes débuts un peu balbutiant, puis très peu organisé, là. Donc, je vous remercie de votre patience. Merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait plaisir. J'essaie d'améliorer mon contenu. Comme vous pouvez voir, je réessaie des tutoriels placés différemment ou faits différemment pour essayer d'avoir quelque chose de toujours mieux à vous offrir. Donc là-dessus, je vous laisse passer une très très belle journée, puis on se revoit bientôt.